Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. J'espère que vous allez bien, c'est Morgane avec vous pour une nouvelle revue de presse interactive sur 95.2 que vous pouvez également écouter sur internet, sur le site de la radio ici et maintenant.com et même sur le canal 9A de la RNT, bien oui, revue de presse interactive. Donc vos réactions seront la bienvenue tout au long de cette émission. Pour réagir et participer à l'émission, eh bien vous avez deux moyens d'action, cette possibilité de vous connecter sur le forum de la radio, le forum .fm dans la partie revue de presse interactive, ou bien de composer le numéro du standard une fois que nous aurons vu donc les différents sujets pour participer à l'émission. Donc le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Bien, nous allons tout de suite commencer avec ce sujet dont vous en avez sans doute parlé, entendu parler concernant l'Italie. Donc le pays s'enfonce dans une crise politique. Vous êtes au courant, bien sûr, on va avoir plus d'explications et nous essayerons également de voir les autres sujets de l'actualité. Pour cette première partie, eh bien, on attend vos réactions par rapport à cette crise en Italie. Eh bien, la France, oui, et les pays européens ont les yeux tournés vers l'Italie, car le pays s'enfonce dans la crise politique et s'oriente vers de nouvelles élections, sans doute à l'automne. C'est le président italien Sergio Mattarella qui a posé son veto donc à la proposition d'un gouvernement de coalition eurosceptique. Certains Italiens s'estiment trahis, d'autres saluent une décision courageuse et une confiance en l'intégration européenne. Sergio Mattarella, donc, hier soir, le 27 mai, a mis son veto au gouvernement eurosceptique proposé par Giuseppe Conte. En une soirée, eh bien, il est devenu un acteur central de la vie politique et suscite depuis des sentiments contrastés. Certains l'estiment auteur d'une trahison du vote des Italiens et d'autres donc approuvent sa décision. On aura le temps de savoir ce que vous en pensez. Eh bien, en utilisant son droit de veto, le président italien a rappelé son attachement à l'intégration européenne, mais aussi qu'il ne croyait pas beaucoup au budget proposé par l'alliance populiste nationaliste des deux vainqueurs des dernières élections. Les sondages affirment pourtant que 60% des Italiens auraient voulu que les populistes puissent former un gouvernement. Un veto donc contre le choix d'un ministre choisi par une majorité parlementaire régulièrement élue après des législatives. Le président italien Sergio Mattarella, donc, qui a choisi de barrer la route au premier gouvernement populiste dans un pays fondateur de l'Union européenne avec son veto spectaculaire qui a surpris à l'étranger. Certains observateurs pensent que le président italien a subi la pression des milieux financiers allemands et de Bruxelles. Et vous, quel est votre avis? Quel point de vue est-ce que vous partagez? Est-ce que l'instabilité qui existe aujourd'hui en Italie vous surprend ou pas? Le vote des électeurs est-il vraiment respecté en Italie? En tout cas, vous pouvez partager vos différentes réactions avec nous en composant le 08 92 23 95 20. Thank you.
chair.